Et salut, c'est Foudrage et aujourd'hui on se retrouve sur FTL pour un nouveau let's play. Donc, j'ai déjà fait deux let's play au moins sur ce jeu et on n'a toujours pas arrivé à avoir le vaisseau rebelle. Donc j'espère que cette fois-ci on va arriver à l'avoir. Est-ce que je change de vaisseau? J'hésite. J'hésite à changer le vaisseau. On va continuer avec ce vaisseau-là. Et si jamais ça marche pas, je recommencerai. On choisit quoi? Facile, difficile. On va le garder en facile. Le style du vaisseau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on change le style du vaisseau peut-être? On va changer le style, au moins juste le style du vaisseau, quoi. Voilà, ensuite. Je vais mettre un nom. Alors, je vais mettre Foudrage. Voilà, Foudrage. Ok. Vas-y, voilà. Accepter. Et les autres, je vais les laisser comme ça, je pense. Je vais les laisser comme ça. Ok, ensuite, nous avons l'armement. Ok, donc là, on a quand même pas mal d'armement en plus. Tout ça parce que j'ai changé le style. Ok. Ok, bon. Ben là, ça peut être peut-être un petit peu plus facile, je pense. Par contre, il faut que je remets mon nom. Foudrage, voilà. Ok, donc ça c'est quoi? C'est très faible laser, énergie requis 1, temps de recharge 10 secondes. Je tire une fois, je fais dommage une fois. Et ok. Ok. Donc c'est parti. Contenu d'ici avancé, on le garde. Et je pense que c'est bon. Donc c'est parti. Alors, les données que vous transportez sont vitales pour la flotte de la Fédération. Donc on doit en gros amener les informations jusqu'au bout pour pouvoir pouvoir attaquer au moins le gros vaisseau rebelle. Ok. Donc j'ai encore pas mal de d'énergie. Donc ce qu'on peut faire, c'est que je peux mettre les quêtes d'un coup. Ok. Alors, donc c'est parti. Alors la map, comment ça se passe? La sortie est là. Nous, on est là. Je pourrais reculer en arrière. Là, je pourrais faire tout ça. On va aller de ce côté. Donc c'est parti. Alors là, il y a quoi? Ok, il y a bonsoir, message d'un vaisseau à proximité. Salutations et bienvenue à notre balise. Pour une modique somme, nous allons vous laisser poursuivre votre chemin. On rejette l'offre. Ils sont en colère. Et ils voudront nous attaquer. Donc c'est parti. Alors, on va attaquer le bouclier. Avec au moins 3 tirs. Ok. Tir auto. Hop, hop, hop. Accepter leur offre. Ils nous donnent ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte ou pas? Non, on ne veut pas. C'est eux qui ont commencé à attaquer. Est-ce qu'on gagne un petit peu plus? Oui, on gagne quand même un petit peu plus. Ah, et je vois que là, ils nous ont détruit l'oxygène. Donc on va la réparer. Foudrage, toi, t'es aux commandes du vaisseau. Ok, génial. Bon, attends. Je vais envoyer tout cela là. Ok. Toi, tu retournes ici. Je crois que t'étais là. Toi, là. Et toi, là. Je vais assigner les positions à chacun, comme ça va être beaucoup plus facile.
Et je pense que on peut rajouter encore là. Voilà. Alors, on va aller de ce côté. Alors, vous recevez un message d'un vaisseau rebelle. Ok, ils veulent combattre. Pas de soucis, je suis prêt. Alors, le bouclier. Trois tirs au bouclier. Un tir à l'armement. Ok. Maintenant, c'est deux tirs à l'armement, deux tirs au bouclier. On va continuer comme ça. Deux tirs à l'armement, deux tirs au bouclier. Première chose à faire, c'est toujours de détruire le bouclier, je pense. Ok, génial. Et on a encore gagné pas mal d'argent. Des missiles. Les missiles, on va faire un stock de missiles pour le boss. Donc, je vais pas du tout l'utiliser. Hop, je vais aller comme ça. De toute façon, on va essayer de découvrir un maximum de choses. Alors, vous découvrez une planète voisine parsemée de colonies, bien qu'aucune ne réponde à vos communications. Ok, on gagne rien, dommage. On continue le chemin. Alors, vous recevez un message d'un vaisseau rebelle. Nous avons pas organisé une guerre pour permettre qu'un seul vaisseau de... Ouais, ok. En gros, ils sont pas contents. Et on a un problème côté oxygène, mais je ne vois pas pourquoi. Ah, d'accord. Ok. Vas-y, l'oxygène là, il faut qu'il remonte. Ok, donc j'ai fait une grosse erreur en fait. On va le détruire et après on verra. Ok. J'ai fait une erreur. Ouais. J'ai fait une erreur tout simplement parce que. Vas-y, hop. Go. Ah oui, c'est vrai, on peut mettre que deux personnes qui se soignent. J'ai fait une erreur tout simplement, je croyais qu'il me restait encore un truc de d'énergie. Et là, c'est pareil, il me rebaisse de nouveau l'énergie, l'oxygène, je comprends pas pourquoi il me le baisse. Ça, c'est le bouclier. Ah, d'accord, il me manque en fait un truc d'énergie. C'est ça le problème. Ok, bon, on va tout de suite modifier ça, mettre une barre d'énergie en plus. Comme ça, je peux avoir toujours de l'énergie partout parce que c'est chiant sinon. Donc voilà, tout le monde est top passionnel. L'oxygène continue à monter et on retourne à nos positions. Ok. C'est parti. Alors, bon là, je peux encore fouiller, je pense. Alors, une petite plateforme orbite près de cette balise. On dirait une sorte de station de ravitaillement et elle émet joyeusement des prix raisonnables dans un large spectre en de fréquence et de longueur. Qu'est-ce qu'on fait? Ça m'arrête à la plateforme. Ça, ouais, ça pourrait être intéressant. On a fait une erreur, mais c'est pas grave. Alors, on va t'attaquer. Trois tirs au bouclier, un tir à l'armement. Ils ont plus de bouclier. On enlève le bouclier. On fait deux tirs à l'armement, deux tirs au bouclier. Va me réparer ça, toi. Ok. On a perdu un peu de vie. On a récupéré un peu d'argent. Il en met du temps pour réparer. Je pourrais. Ok. On retourne là. L'oxygène est à 53. Ça continue à monter. C'est bien. Et c'est parti. Alors. Là, je saute tout de suite là-bas. Est-ce que je peux faire le tour là?
Ouais. Sinon, je peux monter vers le haut. On va peut-être monter vers le haut cette fois-ci. Je pense que je peux aller là-bas. Alors là, qu'est-ce que tu as? Ok, c'est un vaisseau pirate particulièrement bien armé, s'approche de vous. Remets... Ah non, 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 non. Tirez à la courte paille, non. Je remets pas d'équipage. Donc, comme toujours. Voilà. Ah bah ils acceptent déjà de nous donner un membre d'équipage. On accepte. On accepte. Et toi tu vas aller où? À l'oxygène. Oui, je pense qu'on va. Lui, on va le mettre à l'oxygène. Je te mets avec, comme ça tu vas aussi monter ta compétence de réparation. Et toi, hop, oxygène. Il me faut toujours quelqu'un à l'oxygène parce que on a failli mourir dès le début. Et franchement, mourir pour ça, c'est pas cool. Donc, c'est parti. Alors, je peux sauter là. Ok, donc on va sauter là. Alors, je suis très, très, très un clair de la flotte rebelle. Il essaie de s'enfuir. On va essayer de se faire le moteur. Faut absolument avoir le moteur en priorité. Ok, génial. Maintenant le bouclier. On va continuer à attaquer le moteur. On va continuer à attaquer le moteur pour pas qu'il puisse réparer le moteur. Voilà, le 4 va attaquer l'armement. Il faut absolument qu'il puisse ne pas partir. Voilà, génial. Ok. On va se faire un petit stock d'argent là. Je vais aller là. Alors, vous remarquez un petit vaisseau rebelle dans les parages. Il semble avoir été rééquipé pour le transport à la place du combat. Il n'est pas l'air de vouloir vous engager, vous et votre flotte. Exiger la remise de leurs biens. Évitez le vaisseau. Vous pouvez... Non, ouais, il essaie de s'enfuir. Ok. Donc, moteur. On va attaquer tous les moteurs d'un coup. Moi, pour être sûr que il ne va pas s'enfuir. Ok. Hop. Deux là et deux au moteur. Ok, maintenant on va attaquer un seul armement. C'est quoi ça? Ok, génial. On l'a eu. On gagne. Ok. Donc on a plus ou moins du carburant. On a un peu de missiles et on a quelques morceaux de drone. Ok. Pourquoi là j'ai un truc en plus? C'est bizarre. J'espère que je l'aurai pas besoin de celui-là. C'est peut-être parce que j'ai quelqu'un qui est. Enfin bref, ça paraît bizarre. Là, là. Je vais enregistrer les positions et c'est parti. On va sauter. Alors, magasin, détresse ou magasin? On va aller là. Le truc de détresse, on va pas y aller. Vous tombez sur un vaisseau de reconnaissance rebelle automatisé. Poursuivez un vaisseau civil. Aidez les civils. Ouais, on va les aider. Alors, là, on peut vraiment bombarder. On s'en fout un petit peu. On a perdu une arme pour l'instant. J'ai raté mon coup là. J'aurais pu l'avoir d'un coup, mais je l'ai raté. Ok, génial. On l'a eu. Le vaisseau pirate se désintègre. Vous vous hâtez de contacter le vaisseau civil. Ok. On contacte. Oh, génial. Il nous répare notre coque.
Ça tombe bien, j'aurais pas dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Je pourrais retourner là. Moi, ouais, je pense que je devrais avoir de la place pour donc intervenir pour défendre l'avant-poste. Ok, donc c'est parti. Alors, je te bombarde. Le bouclier. Et un à l'armement. Ok. Je t'enlève le 2. J'attaque l'armement. Et on va laisser comme ça. De toute façon, le... Il fait pas grand chose aux dégâts là. Ok, on l'a eu. C'est cool. On gagne un peu d'argent. L'avant-poste nous contacte. Après que l'éclaireur a été détruit. Merci pour le coup de main. Nous sommes harcelés sans arrêt pour ces éclaireurs. Prenez ceci. Et il nous donne encore de l'argent. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et lui, je vois que il est blessé. Donc, on va aller. Je vais aller le soigner. Et c'est ici. Ok, vas-y. Retourne à ta place. Et on va faire le saut. Ok. Donc normalement j'ai largement le temps. Alors vous vous retrouvez entouré par un groupe de mystérieux vaisseaux extraterrestres. Ils vous saluent et ont apparemment une technologie précieuse à vous vendre. C'est quoi comme... Ah d'accord, c'est un... Ouais, c'est magasin quoi. Hein. Donc déjà on va tout réparer. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as comme arme qui pourrait être intéressante? Alors, les âmes à ion peuvent désactiver les systèmes sans causer de dommages à la coque. Ok, donc là, on fait pas de dommages. Explosif auto-téléporté qui endommage les systèmes et l'équipage, mais pas la coque. Pas intéressant. Enchaîneur. Ce laser à double tir diminue son temps de recharge. À chaque tir après 3 volées, ça ne lui prend que 7 secondes à charger. Ok. Énergie requise 2. Temps de recharge 16 secondes. Type d'enchaînement, charge plus vite. Temps de charge mini 7. Tir sable 2. Ok, on tire deux fois. Ouais, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que tu as d'autre? Est-ce qu'on n'a rien à vendre? Ok. Et des augmentations, c'est quoi ça? Protège votre vaisseau des dommages ioniques, donnant une chance de 50% de les annuler entièrement. Ok. Respirateur d'urgence. L'équipage ne prend que la moitié des dommages causés par un faible taux d'oxygène. Ouais. Et votre équipage est enregistré dans la mémoire de la baie de clonage, même si le système est éteint ou cassé. Bon ben. On peut peut-être acheter ça. Donc déjà, je voudrais acheter ça. Je veux acheter ça. Je veux acheter le carburant. On va tout acheter. Ok. Et je vais vendre un laser. Hop. Et je vais l'équiper ici. Voilà. Fermé. Mais bien sûr, il me manquera normalement de l'oxy de l'énergie. Faudra que je l'améliore. Ok. Et on sort. C'est parti. Vous êtes arrivé à la balise longue distance. Lorsque le propulseur FTL sera chargé, vous pouvez... Ok, donc il n'y a rien, je crois. Ah si. Vous tombez sur une connue mineure, ça oui, il vous envoie immédiatement un message disant... Donc on peut leur donner des 15 missiles. Ou leur donner 5 missiles. Demandez. Mais eux demandent que 5 missiles. On leur donne. Ils nous donnent un peu d'argent. Génial. Génial. Est-ce qu'on peut améliorer? Non, c'est 50 pour améliorer. Ok. On va le... Équipage. Ouais. Ça, c'est cool. Ok. D'accord. Bon, bah, en avant. On peut sauter. On saute. Ah, d'accord. C'est des secteurs...
C'est des secteurs rebelles. Ça, c'est des pirates et ça, c'est des rebelles. Peut-être que les pirates ont... On a plus de chances d'avoir là-bas. Ça reste presque les mêmes. On va aller ici, de ce côté, pirates. Ok, donc cette région isolée a été plongée dans le chaos au début de la rébellion. Même en temps de paix, elle a toujours été assaillie par les pirates, mais elle abrite aujourd'hui un centre des opérations pour les innombrables flottes de pirates. Ok, donc on va avoir sûrement pas mal de pirates. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous. Allez, à plus.